C'est la participation financière de la CARSAT pour le retraité, pour faciliter la vie quotidienne et pour prévenir la perte d'autonomie. Alors, il y a le plan d'action personnalisé qui est évalué en fonction des besoins du retraité pour l'entretien du logement, les courses, la préparation des repas, la téléassistance, le portage des repas. Puis il y a l'aide à l'amélioration de l'habitat, tel que le changement ou l'installation de la douche italienne, le changement des volets, des fenêtres, l'isolation, la chaudière. Puis une aide spécifique pour le retour à domicile après une hospitalisation, pour la convalescence. Puis une aide spécifique aussi dans un cas de rupture, c'est-à-dire dans le cas de décès d'un des conjoints ou le placement d'un des conjoints dans une institution. Et il y a le secours exceptionnel pour une dépense exceptionnelle comme l'achat d'un électroménager, le changement de la literie. Alors les conditions, c'est bien sûr d'avoir une retraite du régime général et habiter en Alsace-Moselle. Des conditions de ressources aussi pour l'aide à l'amélioration de l'habitat, ainsi le revenu brut global mensuel pour une personne seule doit être inférieur à 1455 euros et pour un couple 2182 euros. Depuis le 1er janvier 2021, il n'y a plus de conditions de ressources pour le plan d'action personnalisé. Alors pour le plan d'action personnalisé et pour l'amélioration de l'habitat, c'est un formulaire « Bien vieillir chez soi » qui est à envoyer à la CARSAT. Pour l'aide de retour au domicile après une hospitalisation, il est impératif que ce soit l'assistante sociale de l'hôpital qui nous transmette la demande et ceci pendant l'hospitalisation. Pour la dépense exceptionnelle, c'est l'assistante sociale de la commune ou du quartier qui nous transmettra la demande. Pour plus d'informations, on peut aller sur le site de la CARSAT, donc www.carsatalsace-moselle, où on trouvera les formulaires ou de téléphoner au 39 60. Ces conditions sont également valables pour les travailleurs indépendants.